Salut les gens, c'est Antoine pour une nouvelle vidéo théorie et aujourd'hui je vais vous parler de la dérive des continents et plus particulièrement sur son impact dans le futur sur notre bonne vieille Terre et encore plus particulièrement sur la France. C'est un sujet étudié jeune à l'école, donc pour les mauvais élèves, je vais rapidement reprendre les bases pour tout le monde. Au centre de la Terre, il y a un noyau qui chauffe à près de 6000 degrés en son centre. Il est donc plein d'énergie et il va donc vouloir l'évacuer vers la surface. Cette énergie, eh bien en convergeant vers l'extérieur de la Terre, elle va venir perturber les plaques tectoniques et les faire bouger. Et justement, en bougeant, ces plaques viennent faire se déplacer les continents à la surface. Bref, c'est le noyau qui provoque la tectonique des plaques qui vient, elle, provoquer la dérive des continents. On va donc voir dans cette vidéo pourquoi la France pourrait exploser tout comme tout autre pays à cause de ce phénomène. Et pour bien interpréter ce qu'il pourrait se passer, il faut comprendre ce qu'il s'est déroulé dans le passé. Ces dernières centaines de millions d'années, les continents se sont éloignés, si bien que lorsque l'on remonte la position des continents à il y a 300 millions d'années, eh bien il n'y en avait qu'un seul, la Pangée que vous devez normalement connaître. Ça fait plusieurs milliards d'années que les continents se déplacent, s'unissent et forment un supercontinent, puis divorcent, et ainsi de suite. Il y a donc 300 millions d'années, il y avait la Pangée, mais avant ça, il y a 700 millions d'années, à 1,1 milliard d'années, c'était le supercontinent Rodinia qui englobait l'immense majorité des masses continentales de l'époque. Et encore avant, il y a 1,5 milliard d'années à 1,8 milliard d'années, c'était d'abord Columbia de réunir une grosse majorité des terres. Cette tendance récurrente à la formation de supercontinents, eh bien ça porte un nom, le cycle de Wilson, provoqué en gros par un procédé géologique complexe dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Notre monde va donc être amené à se regrouper et former un nouveau supercontinent qui s'appellera normalement l'Amasie. Ou bien la super Pangée, ou bien la Pangée ultime. En fait, ça dépendra de la manière et de la position dont les terres vont se regrouper. Et actuellement, on n'en sait trop rien. Néanmoins, il y a tout de même quelques théories dominantes qui se contredisent. Premièrement, il y a l'extraversion, cette idée que l'océan Atlantique va continuer à s'ouvrir jusqu'à ce que le Japon et la Chine heurtent l'Amérique du Nord et le Mexique. Deuxième possibilité, l'intraversion. C'est l'opposé de l'extraversion, et là, l'idée, c'est que l'océan Atlantique devrait finalement se refermer, et donc que l'Europe et l'Afrique viendraient se rallier à l'Amérique du Nord et du Sud. Et enfin, il y a l'orthoversion, et grosso modo, ça devrait se signer par une collision entre l'Amérique du Nord et l'Asie dans les régions polaires boréales. Bref, il y a plusieurs théories, rien n'est certain, et ça ouvre totalement le champ aux spéculations. Et justement, on va donc nous en profiter. Mais pour bien comprendre ce que je vais ensuite vouloir vous expliquer, je vais d'abord parler du cas d'une île particulière, l'île de Madagascar, que vous devez tous connaître, autrement il y a un problème, je pense. Pour simplifier et en venir au fait, la Pangée, il y a 300 millions d'années, s'est séparée en deux gros blocs. La Eurasia, contenant l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, et le Gondwana, contenant lui tout le reste. Assez rapidement, le Gondwana s'est scindé en 5. L'Amérique du Sud est partie de son côté, l'Afrique d'un autre, l'Océanie du sien, l'Antarctique, elle, eh bien elle est partie se perdre au bout du monde, et l'Inde et Madagascar sont eux restés groupés et sont partis de leur côté. Oui oui, Madagascar et l'Inde étaient bien collés au début, ça peut paraître bizarre et j'aime bien rigoler quand j'ai appris ça. Bon, vous devinez la suite, au bout d'un moment ils sont tout de même séparés, l'Inde est partie remonter dans l'Asie pour se heurter à la Chine et venir créer la chaîne de montagnes l'Himalaya, tandis que Madagascar est-elle tout simplement restée au large de l'Afrique. Madagascar est donc l'exemple parfait pour montrer que la dérive des continents brise parfois certaines terres et pays en plusieurs morceaux. Alors oui, la France peut exploser. En plus, quand on regarde la carte de la France, on voit la Corse et l'Angleterre, deux grosses îles qui partent en couille et qui semblent potentiellement s'être séparées de la France. La France s'effrite donc et va donc finir en morceaux. Préparez vos valises, vos amis, vos familles et partez pendant qu'il en a encore temps. Non, plus sérieusement, c'est absolument pas prévu et en plus, si ça venait à arriver, ça sachez que les continents se déplacent de quelques centimètres par année, donc on aura largement le temps de le voir venir, rassurez-vous, il n'y a aucun problème. Par contre, vous devez vous demander si la France s'effrite réellement et part en morceaux. Est-ce que la Corse et les îles britanniques se sont bien séparées de la France et dérivent maintenant? Eh bien, absolument pour la Corse, et ça ne s'arrête pas là, parce que même la Sardaigne et la Sicile étaient à la base des parties de la France. Et si vous ne me croyez pas, eh bien regardez le découpage de la Côte d'Azur de la France, de la Corse, de la Sardaigne et de la Sicile. On peut voir que ça s'emboîte parfaitement bien. C'est donc bien la preuve que oui, à la base, ces trois îles venaient de la France, venaient de nous. En revanche, du côté de la Manche, non, l'Angleterre ne s'est pas séparée de nous. En fait, elle nous a toujours été accrochée. Il y a quelques centaines de milliers d'années, la Manche n'était pas totalement émergée, mais suite à l'érosion et des précipitations incroyables, eh bien la Manche s'est retrouvée sous l'eau, donnant l'impression que la Grande-Bretagne était une île. Mais ce n'est pas exactement le cas, et donc non, elle ne s'est jamais réellement séparée de l'Europe. Bref, la France, comme tout autre pays, est bien victime de la dérive des continents. Et j'ai beau avoir cherché et retourné Internet, je n'ai jamais trouvé de simulation ou d'études sur le cas précis de la France.
malheureusement. Alors oui, c'est tout à fait possible que la France parte en couille, mais ça, on n'en sait actuellement rien. Alors advienne que pourra, de toute manière, on sera mort d'ici là, donc bon, voilà, on s'en fout un peu en fin de compte. Voilà pour cette nouvelle vidéo théorie, j'espère qu'elle vous a plu. Lâchez un like et abonnez-vous pour moi me remercier, ça me fait toujours très plaisir et ça augmente le référencement. Et puis autrement, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous salue.